Hey hey les amis, c'est Dicoy et on se retrouve pour la numéro 14... Non, 13. Bref, pour la 12e donc de Dragon Quest. Et comme vous l'avez et comme vous l'entendez sûrement, je suis toujours accompagné de... Rin-chan, qui se fout littéralement de toi. Ah mais je commence très bien. Oh mon dieu. Ah mais c'est ce qui vient de se passer en fait qui est assez perturbant. Oh ça va hein. C'est la deuxième fois on va dire qu'on tourne cette vidéo. Car la première fois ça a été un peu... What the fuck et surtout ça a été coupé juste avant le meilleur moment. Juste avant le boss puisqu'on va faire une vidéo donjon. On l'a fait non. Et ça a été coupé complètement, c'est mon internet qui a planté donc voilà. Sur ce, on va repartir pour ce donjon, donc... Ah, c'est quoi, on avait récupéré les fronts qui est... Et donc, ce donjon, c'est... Les ruines de l'ancienne abbaye. Exactement. Alors, d'abord, il faut passer par ici. Ensuite, on passera par là, et on fera comme le furet. Lol. Tu pourrais sortir 2 minutes, là? D'accord. Magie. Ah écoute hein, il est tard hein, donc j'ai le droit de sortir des blagues de merde. Je suis crevée. Ça promet. Allez. Bien. Ok, c'est parti. Zélie porte le premier coup. Aïe. Aïe aïe. Oh non, pas le nuage de sable. Ouais, alors en fait on va fuir là si c'est possible. Il dort. Voilà, c'est bon. Parce que franchement avec le sable, faire du zéro dégâts parce qu'on n'est plus capable de viser, non. Je suis pas d'accord. En plus comme la dernière fois c'était la seule qui a pas été touchée par le sable. Haha. Non mais je suis en train de réaliser là. C'est abusé. Haha. T'as un truc hein. Ouais. C'est avec mon fouet, tu vois. C'est tes cheveux. Non, c'est tes cheveux, ça. C'est... Cheveux longs, ça aide. Mes cheveux longs, comme ça, je les secoue. Puis ça attrape le sable. Puis pareil avec le fouet. Alors, bon, on va taper d'abord celui qui est vivant. N'importe quoi. Vivant, ils sont tous vivants. Ils sont tous vivants, pour l'instant. Celui qui est réveillé, donc. Voilà. Ça. Je commence avec du fail, c'est bien, non? Oui, c'est trop beau. Yeah. Bon, bah voilà, déjà 2 de moins. Parfait. Yeah. Oh yeah. Ah, tu les as réveillés les deux. C'est pas grave, ils vont mourir. Voilà. Et voilà. Je sais pas, mais je crois que j'ai bugué quand j'ai dit ils vont mourir. Ah ouais. C'est top. Allez, niveau 13. Et hop, elle va regagner ses 7 points de compétence qu'on va mettre dans le fouet. Et elle va redevenir la fouetteuse aguerrie. Oh, ça va. Tadam. Et caresse fatale. Et une bosse de vache. Youpi. Je n'irai pas la tenir fermement dans mes mains. Non, tu vas encore regretter ce que t'as fait. Donc la caresse fatale, pour ceux qui ne connaissent pas, donc est une attaque en vol de vie. Fiddle style oblige. Oh yeah. Oh, Fiddle style. Et forcément, ce genre de truc, c'est pour toi. Bah ouais. Parce que moi, je suis la fille, tu vois. Tu vois. Mouais. En fait, tu vois pas du tout. Justification très peu plausible. Oh, hein. C'est beaucoup plus plausible quand même que... Yeah. C'est bon. Yeah. Allez, il nous en reste plus qu'un. On bourrine. Bulia. Voilà, bourrine. Yeah. Je crois qu'on commence à être vraiment efficace quand même, hein. Tu crois. Yeah. Et voilà, on arrive donc ici. Et il faut commencer par examiner ce rocher. Donc l'emblème semble être identique à celui gravé sur la chevalière d'Angelo. On peut insérer la chevalière. Et on va le faire.
est passé quand je te rende la, la chevalière dedans. Et t'appuies. Et tu tournes. Voilà. Et tadam! Un mécanisme révèle avoir alors des escaliers qui s'enfoncent dans l'obscurité. Et on va y aller immédiatement. Donc et voilà. Mesdames et messieurs, je vous présente les ruines de, de l'ancienne abbaye. Bonjour. Donc voilà, endroit, comme je l'ai dit, vous le savez pas, mais j'ai déjà dit, c'est un endroit sinistre. En même temps, il y a eu la peste là-dedans, donc... Exactement. Et oh putain. Bonjour. Il y a du monde là, d'accord. Et coucou les people. On va en chier quand même là. Mais non. D'abord bourriner les squelettes. Tu me laisses bourriner. Tchla. Bon, 18-14, c'est pas énorme, mais... Anti-magie. Comment ça, anti-magie? Je suis pas d'accord. Bon, ça, oh. Personne n'a fait que... Aïe, aïe. Anti-magie, merde. S'en fout, s'en fout, s'en fout. Oh, yeah. Et un squelette en moins. Non mais lol. Il nous balance son crâne, ma gueule. Slack. Voilà. Non. Angus ne peut pas lancer de sort. Le seul qu'on a pas. Il frotte ses pattes avant les unes contre l'autre. Génial, mec. On s'en fout un peu. Aïe, mais co... Espèce de... Yeah. Nya. Et voilà. 214 XP, 78 pièces d'or. Oh yeah. C'est pas mal. C'est génial. Donc on va aller ici et il y a d'abord le coffre de droit qui contient la carte. La carte de l'abbaye et le coffre de gauche qui est piégé. Une canipette. Pas très compliqué. Tu bourrines. T'as juste passé. Regarde, hop là, bourrine. Ouille. Yeah. Bourrine. Et Yangu. Et voilà. Oh. 76 XP, 110 pièces d'or. N'empêche, c'est équivalent d'un, en gros, un coffre qui nous donne de l'XP en plus de. Je vois pas pourquoi on s'en plaindrait. Mm. Allez, là-dedans, on a. Rien. Et là-dedans, un clou en fer, donc voilà. Comme je disais, les clous en fer sont très rares dans ce jeu, donc on va le... Garder précieusement. Car il va nous servir plus tard. Donc là, on a ici un truc à fouiller. Bah. Oh. Un mar en sac. Bah, on bourrine. Pourin. Demande de l'aide. Non mais du gluant. Dommage, il aura pas le temps de te soigner. Oh, c'est con. Vas-y que je vais te finir. Et voilà. Oh yeah. T'as rien compris à ce qui s'est passé, le gars. 53 XP, 38 pièces d'or, c'est nickel. Et en fait, j'ai oublié un truc, donc... bon, alors là, il y a un bouclier de bronze que je vais mettre tout de suite à Decoy. Il est beau, mon bouclier. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, s'en équiper maintenant. Oui. Voilà, c'est tout bon. Et en fait, je vais ressortir parce qu'il faut aller d'abord par ici. On a des trucs à récupérer. Là, une mini-médaille. Voilà. Alors, la porte de gauche, c'est un vrai cul-de-sac où il n'y a rien. Donc on prend directement la porte de droite, qui va d'ailleurs se refermer derrière notre passage. Voilà, histoire d'essayer de foutre la trouille. Mais nous, on n'a pas peur. On est des warriors. Bon, Yangus, je vais te faire une grande faucheuse, ça sera très utile. Et moi, comme d'hab, je fouette. Toi, ça va, hein. Oh. Oh yeah! Trois qui se sont fait tuer sur le coup!
Alors là, Youngus, respect. Respect, man. Pour 3 PM, Youngus vient de sortir d'une belle merde. N'est-ce pas magnifique? L'avantage de Youngus à la faux par rapport à Jessica si t'avais pris les poignards, c'est que Youngus à la faux, tu vois, ses attaques qui sont capables de tuer en un seul coup, si ça rate, ça fait des dégâts normaux. Alors qu'avec Jessica au poignard, les attaques qui sont censées tuer en un seul coup, si ça rate pas, enfin si ça rate, ça fait du 1 dégât. Ah ouais, donc en fait, ouais. J'ai bien fait de garder le full en fait. Exactement. Aïe, mais. Comment... Yeah. Encore? Tenez. Voilà. Est-ce que le vent coupant serait pas mal? Ah. C'est de toi. Youngus est ensorcelé, il va passer un tour. Super. Ça ne fonctionnera pas. Et merde. Donc en gros là pour ce tour, je suis tout seul. C'est gentil les gens. Ah bah de rien. Aïe mais... culé. Allez, lame de feu. Voilà. On va essayer le vent coupant, voir si c'est efficace sur eux. Chac. Aïe mais... bordel, va falloir me soigner. Hein. Ouais. Yeah. Avec une herbe médicinale. Avec de la beuh. Oh, file la beuh. Qui nous aura pas été volé. Ouais. Par contre, la lame de feu, ça a l'air efficace. Par rapport à mes dégâts, tu vois. Je tape du 14, je tape du 19 avec la lame de feu. Donc finalement, ça vaut mieux quand même la lame de feu sur les momillons. C'est bon à savoir. Ah, file-moi ma beuh. Ouais. Ouais, gros. Gros. Mince. Soc à tout, gros. Hé, hey, je te file la beuh. Merci, gros. Au moins, celle-là, on nous l'a pas volée. Ouais. Pas Karizov. Ah, l'alchimarmite a sonné, mais on ne peut pas la consulter vu qu'on est en donjon. Lol. Alors, il faut aller... couillant. Bah oui, mais Trud, c'est un trouillard. Oui, c'est bien ce que je dis. Et malgré tout, il arrive quand même à traverser toute la tour d'Alexandra pour nous rejoindre en haut sans qu'on sache comment. Exactement. Vive le magie du vétéran. Mais j'arrive plus à parler. Schlack. Allez, Youngus, tu nous fais le même coup que tout à l'heure avec la grande faucheuse, là? S'il te plaît, Youngus. Ce serait cool. Allez, yo. Schlack, schlack, schlack. Bah non. Même pas. Bon, bah. Aïe. On a plus qu'à compter. Aïe. Bon, ça va, t'as encore plein de feu. Non, mais lol. Mais. Mais tombé lol. Je ne suis pas d'accord. Haha, et moi, en attendant, je reçois rien. C'est pris un coup de boule. Coup de boule, coup de boule. Bon, allez, on va y aller fort. Ouais. Bon, Youngus, tu vas brûler le vampivole comme ça, ce sera bon. Et moi, je... Allez. Ok, je finis les deux autres. Yeah. Okay. Non. Oi. Voilà. Elle a un bruit. Laisse-moi le finir. Julia. De toute façon, t'es la plus rapide. 192 XP. Oui. C'est avec point de compétence. Pour une fois que j'en ai un bon nombre. Un épéiste suprême. Respectez-moi les gens. Je ne te donnerai aucun respect. Rien pour t'en lame de métal. Oh oui. Oh. Justement, bon. On en parlait. Ouais. Ça, ça fait plaisir. Alors lame de métal est une attaque qui fait de très bons dégâts sur les monstres de métal. Et notamment certains monstres de métal spéciaux, je vous expliquerai quand on en croisera. Tu pourrais me soigner? Ouais, on va soigner un peu, ouais, t'as raison. Parce que bon...
magie. Yangus est un peu mort, hein, presque. Alors, et puis toi, ça va encore. Ouais, moi, au pire. Ça peut être... T'es 90% life, c'est bon. Ouais, mais c'était surtout Yangus, quoi, qui me faisait un peu. Qui avait un peu morflé. Là. Yeah! Yeah! 50 pièces d'or! On est en train de rechute par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure, on était à 24 minutes et là, on est à 16. Oh la vache! Et voilà, le boss! Salut! Donc, si on veut essayer de. Oh non, 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 mais non. Lol! On va essayer de fuir, histoire d'économiser. C'est bon. Donc, on n'a pas vraiment le choix. Ouais, on ne peut pas examiner la statue guerrière. Quelle douleur, quel chagrin. Pourquoi ma déesse ne me parle-t-elle pas? Combien de temps devrais-je supporter encore mon malheur? Tant d'années passées à vous servir si fidèlement. Pourtant, nous avons péri dans d'atroces souffrances. Cette peste a anéanti ma belle abbaye. Oh, ces souvenirs, cette douleur. Quelle douleur. T'as l'air bien, Douloï. Et maintenant, vous allez ressentir pendant un instant la douleur atroce que j'ai éprouvée pendant une éternité. Mais n'ayez pas peur, car la mort viendra mettre un terme à vos souffrances. Ou bien pas, mon coco. Donc voilà, Yosh. L'âme en peine. Notre boss numéro 3. Yosha. Donc t'as sur ce tour, comme c'est... Alors là, oui, Jessica va être très utile. Tu vois. Donc moi, je vais attaquer. Yangus, tension. Et Jessica, sur ce tour, tu vas nous lancer Torpeur. Altération ah, oui, sur le boss. Oh, voilà. Yeah. Oh, réduire de 17, ça c'est trop bon. Voilà, le boss fait quand même assez mal. Tu fais aussi mal que lui. Il a pas encore fait ce que je pense. Attaquer, tension, et ben tu continues avec altération. Hein. Ok. Voilà, magnifique. Man, Yangus. Non. Ah. Il va mourir. Je vais le soigner là. Ouais, ça vaut mieux. Tension. Alors je monte la tension de. De Yangus à 50 avant de frapper. Histoire de. Bon voilà, t'as réduit au maximum sa défense pour l'instant, c'est parfait. Yeah! Tu vas pouvoir commencer à frapper. Cool. Ugh. Salopard. Et voilà, Yangus arrive à 50. Il atteint un état de haute tension. Alors quand ce message n'apparaîtra plus, on pourra se transformer en 100%, comme le marterin qui m'avait. Défoncé. Démoli la gueule. Donc là, ce tour, je vais taper. Yangus, bah là, tu vas taper très fort. Et Jessica, bah tu frappes aussi. Non, tu vas nous lancer un petit coup double. Ok. Vu la défense qu'il a perdue. Cache là. 64. Oh, oh, oh. Je lui mets ta peine, mon con. Il va comprendre cette peur. Oui. Là, il pourra parler de douleur. Douleur. Boum. Oh là 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 là. Parfait, Yangus. 232 dans la gueule. Oh putain. Magnifique. J'aurais eu mal. Je suis morte. La tension, c'est génial. Allez, go. Tu nous rebalances un coup double. Allez. Cha-cha. Il devrait pas tenir très longtemps, là, moi je te le dis. Avec 61 points de dégâts dans la gueule. Surtout qu'il a pas fait une seule fois ce que je t'ai raconté. Mm. En temps normal, il est censé devoir invoquer dès le début du combat... Un mort-vivant et un squelette. Donc c'est assez étonnant qu'il l'ait pas fait. Ouais, bizarre. Alors bug ou pas, parce que c'est la première fois que ça m'arrive, je sais pas, mais je vais en profiter. Moi je vous le dis. Profite. Surtout avec le coup double. Slash là. Oh oui. Oh. Qui c'est alors, qui là, l'a vaincu. C'était easy. N'empêche, 232 d'Yangus. Oh putain, ça a dû piquer. 680 points d'XP. Wouhou! Yeehou! Et 200 pièces d'or. Yeehou! Et un chapelet d'or. Donc c'est ça que j'ai confondu avec le brassard d'or. C'est ça qui donne de la sagesse. Et on le garde pour qui?
pour notre prochaine invitée. Oui, d'accord. Oh ma déesse. Oh ma déesse, ma chère et douce déesse. Elle t'a abandonné, du con. Enfin, je m'assoupirai au creux de vos bras bénis. Dafug. Bon bah, repose en paix, hein. Request Catherine Pache. Et la déesse a décidé de nous soigner en récompense. Youhou! Allez, donc nous, on va continuer par là. M'attendez pas à trouver un fantôme. Je savais depuis le début que c'était une mauvaise idée de vouloir rejoindre l'abbaye en passant par vieille ruine sinistre. Mouais. Ça m'a fait un sacré choc. Mouais. On l'a aidé à reposer en paix, chef. Alors la voie est libre, non? On devrait pouvoir passer sans problème maintenant. Le souterrain doit normalement déboucher sur l'île du père, c'est ça? Exactement. Et moi, je dis quoi? Là, je dis plus rien. Elle... Ah si, je vais rajouter un truc. What the fuck is that? T'as vu comment c'est fini, hein? N'empêche, on a fait de grosses économies de PM, hein. Donc là, on va pouvoir se lâcher. Yeah, on se concentre sur le momignon qui est le plus résistant pour l'instant. Toi, tu vas taper les squelettes. Ouais, de quoi? Comme ça, tu pourras nous débrasser les deux là en premier. Ok, vous allez suivre. Tant mais con. On vous a jamais dit qu'il fallait pas frapper les femmes? Ah bah j'ai l'impression qu'ils connaissent pas ça. Enculé. Yeah. Même pas fini. Oh dégoûté. Voilà, tapez les bourrins. Pas les femmes. Non mais. Pfff. Pas drôle. Tu veux vital. Tant mais. Oh, il est chaud celui-là! Oh! Oh, ça va, hein. Un coup d'épée ça vous fait moins mal qu'un coup de crâne! Tout à fait! Yangus a décidé de... Dans cette vidéo, Yangus aura été très efficace! Ouais, ça change! Chla-chla! Non mais! Soin! Ah, merci. Y'a pas de quoi. C'est fou comme ils sont impolis, ces connards. Ah. Tu vois, ça fait mal. Tiens. Oh. Mais bordel, et qu'est-ce voilà. Qu'ils ont tous contre les femmes, bande de machos misogynes. Oh putain. Et donc on arrive vers une échelle qu'on va donc prendre. J'arrive pas à croire qu'ils soient aussi misogynes dans les jeux vidéo. Mais du coup. Et voilà, le passage est prêt. On sort d'une putain de tombe. Ouais, et on n'a pas du tout de quoi passer derrière. La pierre tombale ne bougera pas. Voilà, on ne peut pas revenir. Yuppie. Hop là, une mini-médaille. Donc on en profite pour fouiller l'île du père et oh putain de merde. Oh oh. Non, vas-y, on a rien à foutre. Oh réponse, ils semblent être évanouis. Ou morts. J'espère qu'ils sont morts. Allez, sauver le père. Nah. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce côté-là? Non, c'est bon. Ils t'ont demandé d'aller sauver. Comme pour toi, j'ai pris du temps. En effet, il y a eu un gros massacre par ici, putain. Oh, il y en a un qui est mort. Je crois. Ah, oh, même pas. Qui est ce fou? Le père, je vous en prie, sauvez-le. Ok. Va crever, mec. Alors, on commence par lire par ici. Blablabla. Il y a de nombreux livres qui traitent de l'église et de la religion, parmi lesquels une histoire de l'abbaye de Maëla, les cantiques à la porte et tous, et la route de Néos. Ok, c'est tout. Bien intéressant. Bonjour. Ce fou, il avait l'air de se comporter normalement à son arrivée. Mais tout à coup, il est devenu comme fou,
Il a commencé à rire, il était hystérique et il est parti. Il est allé directement à la chambre du vénéré père. Nous avons essayé de l'arrêter, mais même à trois. Ah bah oui, c'est pas... Bon, au moins, on est sûr maintenant de... De qui c'est, quoi. Les calembours, la passion de ma jeunesse. Il semblerait qu'il était écrit par le père Francisco. Putain, il aime les calembours, ce mec. Eh ben, tu devrais... Tout petit déjà, je me plongeais dans les délices de la création de calembours. Je m'imposais un régime particulier. Je devais chaque jour trouver 5 nouvelles blagues et 10 calembours. Ce livre représente le fruit de mes efforts. Voici la sueur, les larmes et le sang que j'ai versé pour le rire. Ok. Sérieux, s'il aime les calembours, j'espère qu'il regarde les 2 minutes du peuple. Ah bah, calembours stupides là-dedans, hein. Il y en a beaucoup. Vous avez l'air stupéfait, en effet, je le suis. C'est nous qui vous stupéfions, qui l'autre? Nous sommes donc stupéfiants, j'ai remarqué. Ouais. Oui. Quiconque a des stupéfiants chez lui a de bonnes raisons de se faire arrêter. Encore. Non, vous irez vous expliquer devant le commissaire. Votre commissaire, je me l'enfile. Bon bah, vous irez vous expliquer derrière le commissaire. Que dit un homme qui s'est fait avaler par une baleine? C'est assez. Francisco. C'est assez? Qui s'est fait avaler par une baleine? C'est assez? Ah, c'est ouais. Assez! Ah, il vient de comprendre. Oh la vache. Oh la, oh le temps de réaction. C'est le temps que ça trouve le cerveau, c'est ça? Exactement. Heureux les pêcheurs pleins d'illusions, car souvent les illusions sont détruites. Waouh. Tu sais, je suis blonde, hein, donc... J'ai toujours aimé les jeux de mollets pour cerf-volant. PS, je mérite une plume d'honneur à mon chapeau pour celle-ci. Nouvelle recette pour l'alchimarmite. Chapeau à plume. Aha. Non, mais je l'ai déjà lu. Nye. Nye, je veux pas. Allez hop, casse-toi. Et donc, on va avoir une petite cinématique. Bonjour. Voilà le père Francisco. Ah, l'enfoiré, il s'est barré. Il fait peur. On l'aura. Non, on fait peur. Voilà, coupe de cheveux. What sinister presence lingers in the air? Oui. And who are you? Tu l'as dit, Buffy. Did you want to speak with me? Pas vraiment. En fait, faut... merde. Bonjour. There they are. It's them. Non. Non, non, vous vous trompez. Non, c'est pas nous. On a rien fait. Non, non, c'est... Non, 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 je... Non, je suis pas d'accord, là. C'est pas nous. Attendez, on peut s'expliquer. What's going on? On peut s'expliquer. Ah, capitaine. Abbot Francisco. Captain Marcello, at your service, as always. Okay. Ah, Marcello. Tell me, what's happening? There has been a breach of security. Many of the guards have been seriously wounded. Il s'en a remarqué. What? I feared you might be in danger, so I came immediately. And sure enough, we've caught these criminals. They've been looking around the abbey since midday. Connor. Attends, It seems we were just in time. I thank the goddess that you're safe. Non, non, attends, non, non, mais je suis pas d'accord là. These people are no criminals. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Please, on peut tout expliquer. They were caught red-handed. D'où, flagrant délit? De quoi qu'on a fait? On était en train de causer, connard. See their pure hearts. These people are guilty of. Bah putain, heureusement qu'il sait tirer dans les yeux celui-là. Ouais. Bah il est. C'est pas le un des pères les plus importants de l'église pour rien dans ce jeu, donc voilà. But... Very good. But we must find out what they were doing here in your residence so late at night.
Ça, on peut expliquer. At the very least, let us ascertain that. Please. Ça, on peut s'expliquer, pas de problème. You really are a warrior, Marcello. Very well, if you must. Thank you, Holy Father. So, shall we go? J'ai peur. Oula, j'ai pas confiance. Il va nous emmener dans la salle de torture. Attention, je vais gueuler. We ain't done nothing wrong. Yeah, we told you. It was your man who asked us to check up on the abbot. What right have you to keep us here? The abbot is too forgiving. If you're innocent, then who attacked my men? Donc, mais ça, c'est ce qu'on aimerait bien t'expliquer, connard. T'as qu'à nous laisser le causer, culé. You won't fool me, so don't try. You're confessing it. Who is it? You sent for me, Captain. Come in. Ah, mais voilà. Alléluia. C'est génial. Tu vas pouvoir nous aider, toi. C'est intéressant, sinon je t'en colle une. But there's something else first. We've just arrested these intruders in the abbot's residence. They were attempting to take his life. Non, justement, tiens, demande-lui. They wounded six of my men. Au lieu de siffler, oh! Il fait son impressionné maintenant. Eh, non, non, non. Attends. Fais pas le con, sinon. The problem is this. My guard is watertight. I make sure of that. There's no way for an outsider to get inside the abbey. Unless, of course, they have inside help. On pourrait expliquer quelque chose, là? Apparemment, il veut pas. And would you believe it? When we searched their possessions, we found this ring. Templar Angelo, where is your ring? Show it to me now, if you have it. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure, c'est lui qui nous l'a filé. It's turned up. Thank the goddess. Fous de ma gueule là. Culé. What? Someone stole it from me at the pub. And it looks like they're about to learn that crime doesn't pay. Je te hais. Stole it! What? You little fibber! We've no use for a ring like that. He set us up. I should have known better than to believe a single word from the mouth of a filthy cheat like you. Comment tu viens de faire mal à Youngus? Oh bah oui. Attends, qu'est-ce que tu crois? Regarde comment il croit. Là, j'aimerais juste voir sa tête. You can find me in my chambers. Wait. We're not done here. Fine. I'll deal with him later. First things first. Ça n'empêche, on voit que vous êtes du même sang. Ouais, tous les deux des connards. You've wasted enough of my time. Don't try my patience. I want answers. On va t'en donner, je vais te cramer la gueule, petit con. Confess. C'est ce qu'on essaie de t'expliquer depuis tout à l'heure. We ain't got nothing to confess. What is it? Qu'est-ce que c'est encore? We found a suspicious monster on the outside the abbey. Ah bah vous voyez, c'est pas nous, bordel de merde. Oh non. Oh mais merde. Ouch. What the hell do you think you're doing? Bon bah là, c'est bon, on est foutu. On est mal. On est mort. À la gueule qu'on a. Youngus, Jessica. What are you all doing here? Non. On est mal. Je pensais que si on le connaissait pas, tu sais. On ne le connaît pas. Such a long time, I was getting rather worried. So I just decided to come and look for you when this... So, this monster is a friend of yours, then? So much for your... Ouh là là, il va énerver trop encore.
On pourrait expliquer ça aussi, mais il y a très peu de chances que tu nous crois. Ah ouais. What's wrong with you? Unhand me at once, you insolent ruffian! Get him off me! You are in league with the monster. T'as vu comment je l'ai rattrapé? You may have deceived Abbot Francisco, but you don't fool me. It was the monster who ordered you to steal the ring and infiltrate the abbey, was it? Comment ça, païen? Non, c'est pas ça du tout. Donc tu me traites de païenne. Thought you could scare people by killing the abbot, did you? Make them question their faith and then move in and take control, I suppose. Là, faut être vachement mégalomane pour imaginer un truc comme ça. Ouais, parce que là, c'est un petit peu... Et tu te fais des films. Take these monstrosities to the cells. Vas-y, enferme-le-nous, tu vas voir, je vais te cramer la tronche, tu vas rien comprendre. Je pense pas que ça arrangerait quoi que ce soit là, tu vois. Mais si, je vais tout faire péter. Comme ça, on s'en va. Until sunrise, then. Pour ensuite être pourchassé au bout du monde, alors que c'est censé être nous en train de pourchasser quelqu'un. Tu penses pas qu'il en profiterait pour nous tuer, lui? Boah, mais. Tant pis, merde! Donc voilà, on se retrouve dans une cellule. Regarde, pas avoir voulu que je pète tout, hein. On est là maintenant. Bah vas-y, parle-moi pour voir. Donc voilà. Va me parler. Viens me parler. Ça ne sert à rien de brailler. Utilisons plutôt nos têtes pour sortir de cette cellule. Tu n'aurais pas une idée, Décoy? Attends, je réfléchis. Observons la cellule. Ça doit bien avoir un truc genre Zelda. Pas l'air d'y avoir grand chose. Toi là, tu nous as encore foutu dans la merde. Culé. Connerie de jeu. Va Youngus. Quel culot, on a rien fait. Faites-nous sortir de là. Ok. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas un monstre, je suis un roi. Quelle bande de crétins, ces Templiers. Ouais, enfin, t'as pas vraiment la gueule d'un roi là, tu vois. Ah. Someone's coming. D'accord. Maintenant fermez vos gueules et on se cache. Putain, dis pas que c'est ce con. Pitié. Good evening everyone. Glad to see you're all looking so well. Oui, je vais tuer. Come here you. Médor est en colère là. Control your temper. I must apologize for before. Perhaps you will accept this as conciliation. Il joue double jeu lui. What are you up to? Ouais, qu'est-ce que tu me jettes toi? Qu'est-ce que tu me jettes? Upstairs might hear if we talk now. I'll explain later. Come on. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Ouais, c'est bien parce que tu nous fais sortir quand tu y es, hein. Mais après, je t'assomme et on se barre. Youngus, tu m'aides? The guards up ahead. Right, no one make a sound, okay? S'il est devant, il va nous voir, espèce d'idiot. I seasoned his supper with a generous pinch of sleeping powder. Avec un bon passé, ok? Sleeping like a baby. Ok, mais j'aimerais savoir pourquoi tu nous emmènes dans la salle de torture là. Yeah, non. Il va nous torturer. On va mourir. Right, we're safe in here. You can talk again now. Pas vraiment en sécurité. Tell us what's going on. What ordeal do you intend to put us through next, hmm? Like I said, I'm sorry about before. If I hadn't lied about the ring, Marcello would have been onto me like a shot. Ouais, mais t'as vu dans quelle merde tu nous as foutu? And I haven't got anywhere else to go if I'm chucked out of here. But I came to get you out, didn't I? Come on, don't be angry. Anyway, let me show you something you won't have seen before. Well, what is it? There. And that's real blood on those spikes, you know. je veux pas. If I were to throw you in there and shut the door, your whole body would be skewered.
Mamma mia. I could make you holier than thou without so much as getting my hands dirty. Not bad. Je te suis pas là. Il a tué le roi. Can you hear me out there? There's a secret passage in here. Ok. Lol. Like I said, not bad, eh? Ouais, bon, sur ce coup-là, ok. Tu penses vraiment qu'on peut faire confiance à ce genou? Rien que de penser à ces pointes, ça me fait tout drôle. C'est comme si elles essayaient de me transpercer la peau. Et moi, je dis quoi? Tu crois vraiment que tout va bien se passer? Tu ne veux pas mourir sans avoir eu une occasion de venger Alistair? T'as compris? Juste une question. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Regardons. C'est mieux que d'essayer ça plutôt que de passer à je ne sais quel instrument de torture demain. Allons-y. Allez. À la bonne heure. Ouais. Et donc, nouvelle cinématique. What's your game, eh? First you grass on us for something we ain't done, and then you come and help us. Sorry if I've confused you. The people here have a bit of a trust issue with me. On se demande pas pourquoi. Salut tout. I couldn't stick up for you before. It would have backfired. The man who interrogated you, Marcello, he hates me. On se demande pourquoi. Là, on avait remarqué aussi. That's why I had to let him put you in the cells before I could help you. Ouais, ça se tient. That's all well and good. But you still don't know us from Adam. Ain't you worried about us being friends with this old monster, eh? You're just happy to let us go, are ya? True, I don't know anything about you. And I wasn't there when you were caught. But I do know you saved the abbot's life. Because just before you were brought to the interrogation room, the sinister feeling that's been lingering in the air went away. I must thank you for that. I'm not so ruthless that I'd hang you out to dry. Ouais. And besides, I couldn't stand by while there was a lady in trouble. Oh, ça va, hein. Marcello's a rather talented inquisitor, you know. This leads outside. Une femme. Non mais, genre, les femmes, ça sait pas se défendre. Non, c'est juste qu'il a une technique de drague assez spéciale. Quoi? On sort du point. Medea, my Medea, you're safe. Were you lonely without me? There, there. It's all right. We'll leave this horrible place at once. The princess and I will go on ahead. Make sure you're not too far behind. Okay. Princess. Oui, on expliquera un jour peut-être. Peut-être. C'est assez compliqué. Whatever. Come on, let's go. You'd have to work pretty hard to mess up your escape from here. Anyway, I'm sorry for all the trouble. So, this is farewell. May the goddess watch over you on your journey. Merci. Merci, allez, salut. Finesse, ben nous, on va aller sauvegarder. Mais, ce n'est pas fini. Oh là. Oh là. The bridge. Is the whole abbey on fire? Surely that jester didn't come back again. Oh no. I've got to save the abbot. Eh merde. Espèce de... Là par contre on peut quand même pas le laisser se faire tuer alors qu'il vient de nous sauver la vie quand même. Ouais, ça se fait pas. Bon, on va aller à Nicodème. Sauvegarder, puis on va se laisser là.
Donc dans le prochain épisode, ben, on ira vite voir qu'est-ce qui s'est passé ici. En espérant pouvoir arriver à temps pour sauver le père Francisco. Et Angelo par la même occasion. Et Angelo aussi. Ce serait... Donc voilà, on va avoir du boulot, quoi. C'est pas encore fini. Mm. Bon, alors là, il y a toujours les trois qui recherchent Angelo pour lui casser la gueule. Bref, c'était une vidéo bien... longue. Longue et éprouvante. On a morflé. Mais plus sur la longueur du truc que le boss, parce que le boss, finalement, on l'a bien éclaté. Ouais. Je suis étonné aussi qu'il ait pas invoqué ses deux potes. C'est la première fois qu'il me fait ça, d'habitude, dès le premier tour, il me le balance. Bon, c'est pas grave. Je veux pas me plaindre, hein. Je veux pas me plaindre. En tout cas, l'abbaye est en feu et on se demande pas qui est derrière tout ça. On a déjà notre petite idée. Ouais. Par contre, pourquoi est-ce qu'il assassine ces gens-là? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Bref, ben nous, on va se laisser là. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, nous, on se retrouve très très rapidement pour la suivante de Dragon Quest. Exactement. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, bonne matinée, bonne soirée, en fonction de nuit, l'heure peut-être. À laquelle vous regarderez cette vidéo. Peut-être une bonne nuit. Donc en attendant la prochaine, bah portez-vous bien, prenez soin de vous, mangez des fruits, des légumes, faites du sport. Ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, mangez des pommes parce que les pommes c'est super bon. Alors, je suis pas censé le dire, mais elle a été payée pour dire ça, c'est pour ça. Hé hey, mais chut. Allez. Je vous dis à la prochaine pour la suite des aventures de nos trois héros. Allez, salut, salut! Salut!